Salut les potes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de Godfall qui est un nouveau jeu qui peut potentiellement vous intéresser et qui moi personnellement me fait de l'œil et vous allez vite comprendre pourquoi. Alors si je vous parle de Godfall aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'on en a parlé en stream ce matin, qu'on a vu en tout cas une partie du gameplay de ce dernier lors des annonces de PlayStation hier soir avec l'annonce de la PlayStation 5. Il s'agit d'un looter slasher qui veut se positionner sur le marché du game as service comme l'est The Division ou encore Destiny. Alors un game as service, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu qui sort mais qui ne sort pas complètement fini, donc c'est-à-dire que grosso modo on aura du contenu, on aura des DLC. Expliqué comme ça, ça peut sembler être un petit peu négatif et on se dit oh bah, ils sont gonflés, ils nous mettent des DLC etc, mais dans mon cas en tout cas j'avoue préférer jouer à un jeu qui est un game as service, et parce que si le jeu me plaît, j'espère y jouer le plus longtemps possible, et aujourd'hui, le moyen de jouer un jeu le plus longtemps possible, eh bien, c'est bien souvent les DLC. Ce qui m'intéresse particulièrement ici, c'est ce côté looter-slasher, qui est donc un nouveau genre. Vous savez que je couvre sur la chaîne un maximum de looter-shooter, qui est un style de jeu que j'apprécie tout particulièrement. Alors vous avez bien entendu, il s'agit d'un looter slasher et non un looter shooter. Nous y incarnerons un chevalier valorien, un combattant divin capable d'équiper des armures des plus épiques et destructrices, faisant de votre personnage une véritable machine de combat que vous allez personnaliser au gré de vos envies et de vos préférences. Le but de l'aventure sera d'atteindre le dieu fou Makros qui attend au sommet du monde d'Aperion. On peut éventuellement espérer un raid à la Destiny pour arriver à cet ultime objectif, mais ça on n'a pas encore d'informations concernant le endgame. On ne sait pas encore grand chose sur ce jeu qui semble novateur. Comment vont se dérouler les combats exactement? Comment allons-nous gérer le loot? Ce dernier sera-t-il complexe et aurons-nous à réfléchir et à théorie crafter pour obtenir les meilleurs builds nous permettant de jouer avec telle ou telle arme ou jouer un rôle particulier? Parce que c'est bien souvent le cas, on le sait, dans de nombreux looter-shooters. À quoi va ressembler le endgame exactement? On a encore beaucoup de questions qui demeurent sans réponse à l'heure d'aujourd'hui. Je vous ai traduit de l'anglais au français et je vais vous lire un petit post de blog qui a été donc publié par le studio Gearbox Publishing et Counterplay Games, qui sont les deux studios qui s'occupent de Godfall. Notre objectif avec Godfall est de remanier entièrement le genre des action RPG basé autour du loot et des combats à la troisième personne, en un tout nouveau genre de jeu, les looter slasher. Notre jeu sera basé sur l'équipement, mais aussi sur les skills. Godfall conserve le désir d'un combat axé sur l'attaque et la maîtrise, vous récompensant avec un butin puissant qui vous fera tourner la tête et inspirera vos prochains builds. Donc là, on a un premier élément de réponse. Normalement, c'est un jeu qui se basera donc autour du build et de la réflexion vis-à-vis des équipements qu'on va ramasser dans le jeu. Donc on est encore une fois très proche d'un shooter-looter tel qu'on les connaît, comme The Division 2 ou Destiny par exemple. Le combat en mêlée à la troisième personne de Godfall est fluide, dynamique et interactif, et privilégie l'attaque à la défense. Alors que de nombreux jeux de nos jours créent des défis uniques de type chat et souris pour les joueurs, nous voulons élargir les rencontres de combat avec une rejouabilité durable. Dans Godfall, vous pouvez vous attendre à des combats contre de nombreux ennemis, ainsi qu'à des combats de boss en face à face. Alors là, c'est assez intéressant puisqu'on a potentiellement un second élément de réponse avec cette dernière phrase, ainsi qu'à des combats de boss en face à face. Donc qui dit boss dit potentiellement mécanique unique, et donc un certain skill et une certaine habitude vis-à-vis des rencontres avec certains boss spécifiques. Donc là encore, c'est très intéressant. Godfall a été conçu dès le départ avec la coopération en tête. Vous pouvez jouer tout le jeu en solo, en duo ou en trio. Vos ennemis réagiront de manière dynamique en modifiant leur comportement et leurs attaques en fonction de la taille de votre groupe. Notre objectif est de renforcer la coopération et de renforcer la cohésion et de faire en sorte que tout le monde s'amuse. Donc là aussi, on a un élément de réponse assez important, c'est que les groupes iront jusqu'à 3 personnes, visiblement. Encore une fois, on n'en sait pas plus vis-à-vis de potentiels raids ou événements particuliers dans le jeu qui permettront de jouer à plus. Quoi qu'il en soit, pour le moment, ça a l'air d'être à 3. Nous sommes honorés de vous présenter Godfall sur la PlayStation 5 pendant les vacances de 2020. Alors, PlayStation 5, ça ne sera pas uniquement sur PlayStation 5. Alors, il faut savoir que le post de blog a été fait sur le blog PlayStation, ce qui explique pourquoi il parle particulièrement de la PlayStation, mais Godfall est
est une exclusivité console PS5. Ce qui ne veut pas dire qu'il sera uniquement disponible sur PS5, puisqu'il est aussi disponible sur PC. Ça veut tout simplement dire que parmi toutes les consoles next-gen, comme la prochaine Xbox également, et bien malheureusement pour les détenteurs de Xbox ou d'autres consoles, Godfall, pour le coup, sur les consoles, sera uniquement disponible sur PS5. Mais pour les joueurs PC, vous aurez également accès au jeu. Lors du trailer de Godfall qui a été dévoilé lors du show PlayStation hier soir, que vous pouvez voir depuis le début de cette vidéo en fond, on a pu voir de nombreuses armes différentes, des boucliers, des lances, des épées, et une différence dans le dynamisme que propose chaque combat. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Les studios Gearbox Publishing et Counterplay Games, qui ont annoncé Godfall à l'occasion des Game Awards au mois de décembre dernier, ont annoncé qu'ils nous donneront plus d'infos sur ce dernier dans les jours qui vont venir, notamment sur les armures, les armes et le gameplay. Si cette vidéo vous plaît et que le jeu vous intéresse, je me ferai un plaisir de vous faire d'autres vidéos sur le jeu, mais il faut me le faire savoir dans les commentaires ou en appuyant sur le bouton like par exemple. Nous aurons probablement l'équivalent d'un ulti dans Godfall. Le trailer parle de godlike ability et nous présente l'une d'entre elles avec un personnage qui a plusieurs lames qui se battent pour lui, donc qui tournent autour de lui, des lames bleues que vous aurez l'occasion de voir derrière moi également. Nous n'avons pour l'instant que très peu d'infos sur le jeu en lui-même, malheureusement, notamment les phases de combat et la profondeur du gameplay de ce dernier. Je pense assez logiquement à Monster Hunter World quand je vous dis ça, puisqu'on se demande s'il va s'agir de bashing pur et dur, même si le studio a l'air de nous dire que ce n'est pas le cas, ou d'un gameplay plus réfléchi où il faudra donner les bons coups au bon moment pour venir à bout de ses ennemis. Mais il semblerait d'après le gameplay que Godfall opte plutôt pour un gameplay réfléchi et basé sur le skill qu'autre chose. Quoi qu'il en soit, je suis assez hypé par ce jeu que je découvre complètement. J'espère vous avoir fait découvrir ce dernier, ou en tout cas vous avoir donné des informations intéressantes et utiles. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce qu'on sait pour le jeu pour le moment, si vous êtes hypé par ce dernier. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez en apprendre plus sur celui-ci, et à liker la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.